Salut tout le monde et bienvenue sur WW2K15 pour l'épisode ultime de l'ultime chapitre du mode 2K Showcase. Nous sommes dans le chapitre Path of the Warrior, nous avons terminé les 4 chapitres précédents et il ne reste plus qu'un seul match pour ce chapitre. Et ce match a opposé Ultimate Warrior à Hunter Hearst Helmsley à WrestleMania 12 le 31 mars 1996. Nous sommes partis. SummerSlam 1991 would mark the last appearance of the Ultimate Warrior inside a WWE ring for nearly 8 months. Exploding back into the spotlight in 1992, the Ultimate Warrior stormed through all who dared challenge his intensity. The Macho Man Randy Savage is better than the best! It was Warrior's rivalry with the Macho Man Randy Savage, however, that would soon manifest into a much-needed alliance. What you see across the back of this Macho Man is the bondage of the Ultimate Maniacs! We are the Ultimate Maniacs and we are Ultimate Survivors. But as the Ultimate Maniacs rocketed to the top in WWE, without warning, Ultimate Warrior would once again vanish. There were rumors just yesterday that the Ultimate Warrior would not be at Survivor Series. He would not team up with the Macho Man Randy Savage. And unfortunately, we can confirm that that is correct. Now, after nearly a 4-year absence, the Ultimate Warrior makes his long-awaited return to battle Hunter Hearst Helmsley on the grandest stage of them all, WrestleMania 12. Est-ce qu'il y avait une raison particulière pour laquelle ils ont décidé de faire affronter, de faire s'affronter Triple H et Ultimate Warrior? Parce que on sait qu'il doit affronter Hunter Hearst Helmsley, mais on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est comme ça parce que voilà. Mais dites-moi, il est très bien habillé cet homme. Vraiment classe et il méprise le public. Et sa musique est vraiment délicate. Ah, je savais pas qu'il était comme ça. Bon, évidemment, j'ai joué au mode Attitude Era de WWE 13. Même si j'ai pas fait de vidéo dessus, et j'ai bien vu qu'il avait un autre style quand même lors de l'Attitude Era, mais là c'est le style qu'il y avait. Bon, c'est un petit peu le même, hein, mais encore plus pompeux hein, cette fois. Hein. Donc il est devenu de moins en moins pompeux pour être de plus en plus badass. Et son adversaire qui est peut-être chauve et qui pèse 180 kg. Non, c'est bon. Hein, King? C'est ce que j'allais dire. Chauve. Il est encore bien chevelu hein, quand même. Il a une belle crinière. Tel le lion qui sommeille en lui. Hunter Hearst Helmsley can't believe it.
Warrior stood right up after that devastating pedigree. It's as if he's Superman or something. And now, Warrior on the attack. Here he comes. Et en plus, il est en pleine forme. Attendez, c'est quand même pas déjà fini. Bah, je peux le faire, mon Ultimate Splash, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est fini. Victoire d'Ultimate Warrior, comme ça, rapidement. Alors donc j'imagine que c'était aussi expéditif en vrai. Ah donc. No WWE talent becomes a legend on their own. The Ultimate Warrior's legacy was that of a trailblazer. The relationship between Warrior and the WWE Universe was a once-in-a-lifetime phenomenon. The power of the Ultimate Warrior is something that you want to feel, that you want to taste. He came in and changed the game. Really made us all, whoa, look at this guy. He just screamed excitement. Felt the power that makes the skies rumble. He was just on fire all the time. You couldn't help but be inspired by his energy. The Ultimate Warrior has stood the test of time. He's part of history. After an 18-year absence, the Ultimate Warrior returned to WWE and took his rightful place in the 2014 Hall of Fame class. Tragically, the Ultimate Warrior passed away just days after his Hall of Fame induction. But in true Warrior fashion, he left the WWE Universe with a strong final message. Every man's heart one day beats its final beat. His lungs breathe their final breath. And if what that man did in his life makes the blood pulse through the body of others and makes them believe deeper in something than larger than life, then his essence, his spirit, the running the man did, live forever. I am Ultimate Warrior. You are the Ultimate Warrior fans. And the spirit of Ultimate Warrior will run forever. Donc oui, décédé quelques jours plus tard après son intronisation au Hall of Fame, 2 jours je crois. Et donc le lendemain de Raw, où il a prononcé ce discours en remerciement donc à l'univers de la WWE. Donc, eh bien voilà, on a tout terminé. Tous les chapitres du mode 2K Showcase. J'ai été quand même assez déçu de Path of the Warrior parce que il y a vraiment très très peu de choses. Ça, alors évidemment, je bon, ça se comprend quelque part. Donc j'étais d'une part déçu, mais d'autre part je comprends. Déçu parce que voilà, il y a très peu de moments où on peut jouer en fait. Il y a beaucoup de cinématiques, notamment dans le match face à Randy Savage. Il y avait beaucoup de cinématiques à tel point que bah, on jouait quasiment pas quoi, juste vers la fin pour finir le match. Et autrement, le premier match, on le gagne en appuyant sur 2 touches. Le dernier match, on le gagne quasiment tout de suite parce qu'on a un coup spécial. On a ensuite un finisher pour terminer Hunter Hearst Helmsley. Et puis d'autres matchs qui sont assez courts. Le match avec Hulk Hogan face au Triangle of Terror, c'était aussi assez court. Donc, d'un point de vue jeu, d'un point de vue gameplay, je le trouve assez décevant ce chapitre. Mais on peut comprendre que ce chapitre n'était pas fait, enfin,
Évidemment, tout est fait, enfin tous les chapitres sont faits pour être joués, mais celui-là avait quand même un but tout particulier qui était de rendre hommage à Ultimate Warrior qui donc nous a quitté l'année dernière. Donc ça, je peux comprendre. Mais voilà, à jouer, c'est voilà, c'était pas super amusant pour vous dire honnêtement ce que j'ai ressenti. Mais ceci dit, je comprends que c'était plus un hommage que vraiment un chapitre qui était destiné à ce que les gens s'amusent. Enfin, oui, ça aurait été un bel hommage si les gens s'étaient amusés, quoi. Ça aurait été un hommage encore plus beau. Donc c'est un bel hommage, mais quand même, d'un point de vue gameplay, c'est un peu décevant. Donc, bon, c'est ma toute dernière vidéo sur le mode 2K Showcase, parce qu'il n'y aura pas d'autres chapitres derrière. On a tout terminé, et bah, mes pensées sur ce chapitre sont assez diverses. Sont assez diverses. C'est un mode de jeu qui est très sympa. Les deux chapitres proposés au tout début sont... ils sont là, voilà. Ils sont vraiment très amusants à faire. D'ailleurs, je suis en train de les refaire de mon côté. J'ai même fini Meilleur Ami, Pires Ennemis. Je suis en train de refaire Hustle, Loyalty, Disrespect. Donc, ces deux chapitres sont vraiment très bien. On s'amuse bien. Les matchs sont... on joue quoi dans les matchs. Voilà, c'est ça le souci qui n'est pas présent dans ces deux chapitres-là, qui est surtout présent dans le chapitre Path of the Warrior. Donc vraiment, ces deux chapitres-là sont très bien. Ils sont très... Ils sont copieux. Hein, 19 matchs d'un côté, 14 de l'autre. Ils sont très amusants, évidemment on revit des moments qu'on a déjà vécu, enfin pour moi plus pour le premier que pour le deuxième évidemment, puisque pour la rivalité entre Triple H et Shawn Michaels, je ne suivais pas encore le catch, en revanche évidemment pour ça entre John Cena et CM Punk c'était le cas, donc j'ai pu revivre quelques moments et j'ai même pu me remémorer quelques moments parce qu'il y a pas mal de choses que j'avais oubliées. Donc ces deux chapitres là sont très bien, et effectivement les chapitres proposés dans les DLC étaient un peu moins bon, ça c'est clair. Enfin bon, déjà moins de matchs, mais après la quantité ne fait pas tout, il y a aussi la qualité. Enfin bon, ceci dit, c'est vrai que 9 matchs, ça fait un peu léger quand même. Ceci dit, One More Match m'a bien plu. Je l'ai trouvé assez sympa. Pas trop le même problème que pour Path of the Warrior. En revanche, pour Hall of Pain, il y avait un petit peu ça quand même. Notamment pour le deuxième match contre Kane, qui était très facile. Il y avait beaucoup de matchs où justement on affaiblissait l'adversaire directement, et puis il y avait des cinématiques qui faisaient qu'on gagnait directement ou qu'on affaiblissait très vite notre adversaire. Il y avait un tout petit peu ça quand même parfois dans One More Match, mais dans mes souvenirs c'était quand même pas à tous les matchs quoi. Il y avait quand même des choses à faire, et au bout d'un certain temps, ok, on peut déclencher une cinématique qui fait qu'on va gagner le match, qui fait que le match se termine dans la cinématique. Voilà, et donc on n'a pas à s'embêter à le terminer nous-mêmes. Mais donc voilà, dans One More Match, parmi les 3 DLC, parmi les 3 chapitres qui nous ont été proposés en DLC, One More Match a été mon préféré. Hall of Pain le deuxième et Path of the Warrior le troisième. Et d'ailleurs c'est drôle parce que plus ça va, moins c'est bon. C'est-à-dire que voilà, les deux chapitres qu'on a au tout début sont excellents. Moi je les ai trouvés excellents, j'ai pris beaucoup de plaisir à refaire même Meilleurs Amis, Pires Ennemis, et je passe un très bon moment à refaire également Hustle, Loyalty, Disrespect. One More Match, je pense que je vais le refaire aussi de mon côté. Hall of Pain, j'en suis pas sûr. Mais One More Match, j'ai vraiment envie de le refaire. Bon, peut-être parce que il concerne Christian et Randy Orton, qui sont deux catcheurs que j'apprécie énormément. Et c'est vrai que, bon, j'apprécie un peu moins Mark Henry et un peu moins encore Ultimate Warrior. Pour être honnête, j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelque chose qui était un petit peu énorme dans Path of the Warrior. Des fois, la puissance d'Ultimate Warrior est presque irréaliste. Si vous voyez ce que je veux dire, j'ai rien dit au moment de l'épisode, mais j'ai surtout été abasourdi par ce qui s'est passé lors du match contre Randy Savage. Genre Ultimate Warrior qui se prend 5 descentes du coude et qui se dégage quand même. Bon, d'accord, je veux bien que Ultimate Warrior a été puissant et tout, mais quand même 5 descentes du coude, j'ai pas trouvé ça crédible. J'ai trouvé ça quand même un peu gros. Une descente du coude, d'accord, mais 5, bon, à la limite 2, allez, 2. Deux descentes du coude, c'est extraordinaire et tout ça, mais 5 quand même, 5. J'ai trouvé ça un peu énorme. Et puis pareil, Ultimate Warrior qui revient pour un match à WrestleMania 12 et qui le gagne en quelques secondes face à un Hunter Hearst Helmsley qui s'est écrasé. Je trouve ça un peu bizarre.
Voilà, évidemment ce ne sont que les pensées, évidemment je n'ai pas pour objectif de manquer de respect à Ultimate Warrior, je n'ai pas non plus pour objectif de salir sa mémoire, au contraire je respecte tout homme qui est monté sur le ring, que ce soit depuis le début de la création du catch ou de la WWE évidemment. Mais voilà, j'ai quand même beaucoup moins aimé ce dernier chapitre, et comme je l'ai dit, beaucoup plus les deux premiers et le troisième qui était quand même assez sympa à jouer. Donc voilà, les deux derniers étaient un tout petit peu décevants. Hall of Pain, ça allait, mais c'était un peu moins bon. Donc voilà, tout compte fait, les chapitres qu'on nous a proposés en plus, ils ont peut-être pas tous été à la hauteur. Voilà. Globalement, les trois chapitres qui nous ont été proposés en supplément n'ont pas vraiment été à la hauteur. Je dis globalement, sinon individuellement, One More Match, il est correct. Après les deux autres, c'est contestable. Avec une excuse pour Path of the Warrior qui était plus un hommage. Voilà, ça je peux comprendre. Donc globalement, ce mode de jeu est sympa. Mais on peut se passer des chapitres supplémentaires. Ceci dit, c'est quand même sympa de revivre tout ça. Donc il y a quand même un côté cinéma, quoi. Un côté scolaire. Un côté apprentissage de l'histoire du catch, enfin de l'histoire de la WWE qui est assez sympa quand même. Donc bon, je sais pas, oui, ça vaut peut-être le coup, je sais pas. Ça vaut le coup de les faire, mais après, je m'attendais à mieux, franchement. Je m'attendais à mieux. Mais globalement, ce mode de jeu est quand même assez sympa. Et c'est principalement le seul mode de jeu qui justifie l'achat du jeu sur Xbox 360 et PS3. Évidemment, il y a également le mode carrière sur... Xbox One et PS4 et PC maintenant évidemment, ainsi qu'un mode studio de superstar qui a l'air assez sympa, donc c'est une autre histoire. Mais oui, ce mode 2K Showcase, pour être honnête, je l'ai quand même bien apprécié, même si je crache un petit peu sur le dernier chapitre, il est quand même globalement assez sympa. Et en plus on peut revoir vidéo, cinématique, on a une galerie d'images, donc des petits bonus qui font plaisir, quoi. Donc mode de jeu assez sympa, avec quand même une préférence pour les premiers chapitres, en particulier Hustle, Loyalty, Disrespect et peut-être One More Match. Moi aussi quand même il était excellent, Meilleurs Amis, Pires Ennemis, il était quand même excellent, vraiment excellent. Donc ces trois là sont mes préférés, très clairement. Ces trois là sont mes préférés. Et les deux derniers, un peu moins, voilà. Donc... maintenant, c'est le blabla hein, pour terminer la série sur le mode 2K Showcase. Maintenant sur WWE 2K15, je vais bientôt revenir avec le mode univers de WWE 2K15, un mode univers dans lequel on aura beaucoup plus de pouvoir que sur WWE 2K14, parce que WWE 2K14, enfin le mode univers de WWE 2K14, je l'ai pris pour faire un mode carrière avec ma superstar créée. Donc je n'ai aucun contrôle sur mode univers, et ça va être donc totalement différent pour WWE 2K15, comme c'était avant que j'arrête évidemment. Avant que j'ai ce petit souci qui fait que les temps de chargement étaient très longs pour les matchs par équipe, pour lancer les matchs par équipe, et que je croyais à l'époque que ça faisait planter le jeu. En fin de compte, non, il suffit juste d'attendre un petit peu, puis le match se lance au bout d'une éternité. C'est pas très long, une éternité, c'est juste infiniment long. Mais bon, il faut juste attendre. Et donc, le mode univers sur WWE 2K15 va revenir. Je vais essayer de vous concocter... du calme, Kevin, du calme. Je vais essayer de vous concocter des belles cartes. Je vais également vous proposer probablement des votes pour choisir des main events, des challengers, des stipulations. Donc, WWE 2K15... sur Xbox 360, ce n'est pas fini. On va continuer avec le mode univers et probablement également avec le mode fête épreuve qui est assez amusant à faire parce que voilà, il faut battre John Cena, marquer des points et tout. Donc voilà. Je vais vous quitter. C'est toujours dur hein, de terminer vraiment une série qu'on a fait depuis très très longtemps, parce que depuis le premier chapitre, c'est vrai que ça en fait du chemin. Donc, c'était le mode 2K Showcase sur WWE 2K15 avec votre commentateur Kev Raker. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur les jeux WWE et sur d'autres jeux. Salut tout le monde, à la prochaine.